Allez, toi, te chier, Candice. Allez, chier! Ah, ils sont heureux, hein? Eux autres? Ouais, la recette du bonheur, ils l'ont. Ben, qu'ils gardent. Il est où, le bonheur? Ben, il est chez eux, hein? Tu, de toute façon, lui, tu peux pas comprendre. Mais toi, tu peux pas comprendre, t'es pas normal. T'es pas comme nous autres. Tantôt, t'es pas satisfaite. Tu veux tout le temps d'autres choses. Vive et laissez vivre, tabarnak! Vive et laissez vivre, ça a été inventé pour les morts, ça, Chris! Oui? Excusez. Je voudrais juste vous dire quelque chose. J'ai lâché mes études. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chouette? J'étais tellement tannée d'être tout le temps crise, papa, là. La médecine, c'est terminé. J'ai arrêté ma résidence. Oh! Oh! Je suis pas sûre de comprendre, là. Mais là, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai d'autres projets. Quel genre de projet? J'aime mieux pas en parler tout de suite, là. Je vais attendre que ce soit plus concret. La fabrique des salopettes. Je l'ai vu faire, c'était écœurant. Non, mais Annie, là, non. C'est pas ça. C'est pas... J'ai pas juste des salopettes, là. C'est... Je crée des vêtements à partir de matières recyclées. Ah, c'est donc belle fun. Ouais. Mais ça a aucun rapport? Non. Non. Adèle, je t'en prie. Elle dit n'importe quoi. Tu vas pas lâcher ta résidence, quand même? J'ai envie de faire d'autres choses, là. J'ai envie de faire d'autres choses. Est-ce que j'ai bien entendu? La vie, ça marche pas comme ça, Lou. Coudon, pour qui tu te prends, toi? Anne-Franck? Ah, belle. Hey, toi, t'es toujours bien avec une coiffeuse. Même t'as pas là de ça. Pardon? T'as très bien compris. Voyons, Adèle, c'est quoi ces préjugés-là? C'est pas parce qu'elle est coiffeuse qu'elle a pas de tête? Ouais, c'est vrai, ce mot, ma coiffeuse, elle est super brillante. En tout cas, moi, je sais bien prendre. C'est moi, sa mère. Que j'avais vu l'autre fois. Ouais. Bon. Oui, c'est ça. Et voilà. Parfait, merci. Oui? Non, ça va être trop petit. Prends un plus gros. Oui. Ouais, ça marche. Amène les deux, on va les prendre. On va te prendre ça et les deux petits écussons pour mademoiselle. Parfait, c'est 12 $. OK. Tu auras la carte, s'il te plaît. Ouais, tu peux y aller, c'est bon. Et voilà. Merci. Bon, ben là, on va laisser ça au magasin. Bye. Bye, bye, bye. Merci. Bye. Oh, il est beau, le petit renard. Bon, le papier, on va le mettre pour Jimmy. Mais le petit renard, c'est pas le reste? T'aimes ça? Oui. OK, on les met. Oh! Prends ta patte. Écusson. Attends. Ah, c'est cute! Ah, ouais, on va. Ah!
copinette d'amour. Ah, ouais, la belle visite. Il s'ennuyait. On arrive de chez Denise. On s'est dit, on va arrêter en passant. Je t'ai apporté un petit vinon. Si. Rentrez. Regardez, maman a réparé mes jeans. C'est moi qui l'ai choisi toute seule. Waouh! Tu pouvais pas y en acheter des neufs? Elle aime ça, choisir ses écussons. Hein? Hein? Mais elle aimerait ça aussi, se choisir des jeans neufs. Charlie, grand-maman va t'amener magasiner fin de semaine prochaine. Ça te tente-tu? Je peux avoir tes souliers? Ben oui, tu peux! Ils te font tellement bien. J'y arrive un tout petit peu. J'ai eu vous dire qu'il était venu la voir dernièrement. Ah ouais? Oui, avec sa nouvelle voiture hybride en plus. Elle devait être contente. Ben, elle était contente. Ça, il y avait une hybride, lui. Devenez que j'imite. Oh, belle de même, c'est sûrement ta grand-mère. Vraiment. Viens t'asseoir, Charlie, c'est servi. Tu sais qu'il adore ça, une hybride, hein? Oui, il aime ça. Ah, vraiment? Mmh. Viens t'asseoir, ma chérie. Toi, Lou, es-tu encore dans ton trip salopette? Mon trip salopette? Ben, ta fabrique de salopettes, là. Adèle. Adèle. C'est pas une fabrique de salopettes, s'il te plaît. Ben, quand même un peu. J'en ai vendu une aujourd'hui à boutique. Oh oui? Et on est fiers de toi, ma chérie. C'est-tu bien payant? Maman. Mais sais-tu que la planète n'arrête pas de tourner en même temps que toi? Faut que tu continues de manger quand même, puis que tu fasses manger ta fille aussi. Ça se fait pas vivre tout seul, ces petites bêtes-là. Ah non? Fais pas ton innocente. Charlie, elle vit très bien, OK? Jusqu'à preuve du contraire. Médecin, Lou. Tu vas devenir médecin. Ce que ta mère essaie de te dire, mon frère. Raymond. Quoi? Arrête de faire ton fin. Ça n'a pas d'allure, son affaire. Bon, il ferait toujours bien pas croire le contraire. Le sais-tu, ce qu'on est obligé de faire, nous autres, pour te permettre de faire ces études-là? Oui. Ben, il n'est pas trop tard pour que tu changes d'idée. Je changerai pas d'idée, moi. Coudonc, t'es bien boqué, toi. Tu veux rien entendre, c'est ça? Ça te rate, hein? Ça pense rien inventer le monde mieux que ses parents. Puis ce qu'on t'a transmis, nous, ça vaut plus rien. Le sais-tu, le message que tu nous envoies? Le sais-tu, ce que tu fais avec l'éducation qu'on t'a donnée? Tu craches dessus comme si c'était de la marque. Non. Non, c'est pas vrai, je fais pas ça. Je construis avec. Je m'adapte. J'en peux plus de l'étiquette de perfection. Je suis fatiguée. Elle n'en peut plus. C'est qui que tu vas appeler quand tu vas être dans la rue? Ta mère. Viens-t'en, Raymond. On s'en va. Oh. Adèle, assis-toi, je t'en prie, là. Tu y vas un peu fort, là. Très bon, ton souper. Merci beaucoup. Adèle. Bisous, ma belle Charlie d'amour. Adèle. Fais-toi-en pas. Ta mère est maladroite. Dis pas les bons mots, elle s'exprime mal. Mais je le sais qu'elle veut ton bien. Je le sais, moi. C'est juste ça qu'elle veut, ton bien. C'est correct, pas. C'est vrai que c'était très bien. Là, qu'il faille s'en aller, là. Ici. T'aimes. Moi aussi. Bye-bye. Adèle!
Attends. Tu vas? Ça va bien. Oui? Dis-toi. Ah, oh, moi aussi, vraiment. Bon, c'est super, ça. Quoi, tu fais jaser toi pas mal? Ah ouais? Mais tu sais comment le monde sont, hein? Mais inquiète-toi pas, là. Je leur ai dit que c'était pas vrai, puis surtout que c'était pas de leurs affaires. L'épuisement, là, ton genre de pétage de coche. Marie a dit qu'elle t'a vu tomber d'un pomme ou quelque chose de même, c'est-tu vrai? C'est pas vraiment ça qui est arrivé, non. En tout cas, on est là si t'as besoin, OK? C'est vrai que c'est pas facile de se rendre au bout. C'est de la job, beaucoup de stress, beaucoup de pression, de responsabilité. C'est pas tout le monde qui a cette force-là. Toi, par exemple, je trouve ça triste. T'as tellement travaillé, t'étais quasiment rendue. C'est souvent ceux qu'on s'y en attend le moins qui pètent aux frettes, hein? Bon, en même temps, ça arrive. Je me suis beaucoup questionnée là-dessus, justement. Pourquoi moi, j'ai cette force-là, puis pas les autres? J'en parlais avec Christian l'autre jour, puis il m'a dit, Fanny, c'est pas parce que toi, t'es capable d'en prendre autant que tout le monde est capable d'en prendre autant, puis il avait raison, dans le fond. Ah, oh, je trouve ça triste. Bon, on est tous tellement différents, puis il faut juste trouver un équilibre à travers tout ça, j'imagine, puis se soutenir là-dedans. Ben, je dis ça, je dis rien, là. En même temps, toi, c'est peut-être pas ça. C'est normal de vouloir se découvrir à un moment dans notre vie. Je te comprends tellement. Même moi, je me suis déjà questionnée. On est en 2021, pareil, là, c'est comme la mode. Et puis, de toute façon, t'es encore jeune, là. T'as le temps de changer d'idée, de revenir plus tard aussi. T'as toute la vie devant toi. Je peux vraiment être... Fait qu'est-ce que tu fais en attendant? Je fabrique des salopettes. Une artiste? Mais on peut voir ça de même. C'est pas ça? On est tous un peu artistes de notre vie, non? Il va vraiment falloir que j'y aille. Je vais être en retard à l'hôpital, mais je suis vraiment contente de t'avoir vu. Prends soin de toi. N'hésite surtout pas s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour toi. Bisous. Olivia, moi, elle a assez de kit après ne pas porter la même chose pendant deux semaines. Au moins, un bon deux semaines, là. Ouais. Il est quand à coucher? Oui! 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 Moi, ma fille, elle a assez de vêtements, là, qu'elle peut porter des affaires différentes pendant deux semaines. Ah! Tabarnak! Oui, allô? Oui, c'est moi. Ben voyons, là, c'est parce que ça fait 15 minutes que je suis partie. Ouais, OK. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Mais Charlie, c'est qui t'a fait ça, là? Fanny. Fanny? C'est qui, elle? Une amie. Pourquoi qu'elle t'a fait ça? Elle m'a dit qu'elle a pas fait exprès. Ah. C'est pas grave, hein? Non, non, c'est juste plate, là. Aïe,
ailleurs. Non, mais Charlie, c'est parce qu'il faut que je l'enlève la gomme, là. Oh, non. Non, assieds-toi. Je pense que Charlie a fait exprès de trouver ses jeans juste pour venir ici. T'en as-tu vendu d'autres? Non, pas encore. Ah, c'est vraiment pas grave. Mais je vais mettre sur ma page Facebook, là, c'est sûr que ça va aider. Ben, aucun stress. Pour vrai, t'es vraiment fine, Bévande. On peut-tu utiliser tes toilettes? Ah, ben oui, au fond à droite. En attendant seul, à marcher dans les lignes du trottoir. Celle qui nous pousse, celle qui nous pousse vers lentement. Les mamies bleues, les mamies bleues qui défilent tout au long du couloir. Trop souvent l'on devient ces grains de sable polis, polis, qui aiment se faire la courtoisie. L'humeur à la mode mais l'esprit un peu terni. Dans ma tête, ce modèle qui traque. Mais toi, ça fait longtemps que tu marches. De ce pas léger, sans tomber dans la craque. Le mur de nos esprits. J'ai trouvé ce brin de courage dans ton.